Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser l'assistance ou bien la fonctionnalité vocale pour interagir avec Copilot afin de demander des informations. Bien sûr, il est possible d'utiliser cette fonctionnalité soit en utilisant un navigateur web, comme c'est le cas actuellement, ou bien à partir de votre smartphone. Je vais vous montrer bien sûr les deux possibilités. Maintenant, pour la première possibilité, je vais utiliser l'interface de mon écran, c'est-à-dire l'interface web, pour interagir avec Copilot. Vous retrouvez certainement au niveau de la partie où vous pouvez poser votre question, trois boutons ou bien trois icônes. Il y a l'icône qui est réservée ou bien qui représente le microphone. Donc là, si je clique dessus, j'aurai la possibilité de rédiger ou bien de noter ce que je vais demander comme information. Bien sûr, je vais demander une information à Copilot pour qu'il puisse me la donner. On va tester ça ensemble. Tu es expert de l'économie tunisienne et des données de la Banque mondiale. Tu me donnes un tableau récapitulatif de la progression du PIB de la Tunisie de 1965 à 2020. Voilà, donc vous voyez que actuellement, le Copilote est en train de chercher les données. Il va me donner les informations qui concernent Bien la sûr, Tunisie, voici voilà. un résumé de la progression du PIB de la Tunisie de 1965 à 2020. Année, PIB en milliards de dollars US, croissance annuelle du PIB, pourcent. 1965, 0,99. 2014, 50,27, 3,09%. 2015, 45,78, 0,97%. 2016, 44,36, 1,12%. 2017, 42,16, 2,24%. Voilà, donc vous voyez que il est possible bien sûr de réagir automatiquement et d'une manière simple en utilisant la voix avec l'interface de Copilot. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la même chose en utilisant votre smartphone. Sur votre smartphone, vous devez installer une application qui s'appelle Copilot, que vous pouvez la retrouver soit sur Play Store ou bien sur n'importe quel autre fournisseur d'applications. Donc voici l'application, elle est appelée Copilot. Je vais cliquer dessus. Bien sûr, je dois me connecter à Copilot via mes paramètres d'accès, mais je peux aussi directement ne pas faire la connexion. Donc, je vais maintenant ordonner Copilot pour me donner la même information. Tu es économiste tunisien et connaisseur de données de la Banque mondiale. Tu me donnes la progression du PIB de 1965. Bien sûr. Voici les informations sur l'évolution du produit intérieur brut. PIB de la Tunisie entre 1965 et 2020. Croissance annuelle du PIB. Maintenant, nous allons ordonner l'application à classer ces données sous forme d'un tableau. Bien sûr. Voici un tableau récapitulatif des informations sur l'évolution du PIB de la Tunisie entre 1965 et 2020. Voilà, donc vous Année, voyez. croissance annuelle du PIB, pourcent, PIB nominal en millions. Donc vous voyez que, il est possible d'avoir les mêmes informations, soit en utilisant l'application ou bien en utilisant l'interface web. Voilà, ça c'est l'objet de cette vidéo. Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des commentaires. N'hésitez jamais à liker cette vidéo et de la partager à tout le monde. Merci.